Voilà le ventilateur. Un peu plus bas, comme ça tu as l'avantage de la lumière. Non, il cherche. Moi aussi, il n'arrive pas à régler. Tu rigoles, toi? Viens, tu sais. Le puits, pareil. Allez, essaye. Il n'y a rien à dire. Passe la place. Vous caler contre le mur et faire une pause. Mais il essaie de trouver son réglage, mais il ne le prend pas. Mais dis-le, il y a peut-être assez. Parce que moi, c'est une question de vie. Et voilà le fond avec une balle ici. Fou, c'est fou. Ventilateur Guibal. Oh là 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 là. Bon ici. On va dans le puits. Avec l'eau de ta torche, tu éclaires, il fait la mise au point. Je sais. Le coup, il est de la paix. Derrière, non, c'est pas ici. Bouge pas ta papa. Je vais essayer de passer là. Et ici. Tu vois. Péter les lames là-bas, là, je saurais passer. Et tu vas t'amarrer où? C'est de la destruction quand même. Sur le... Les croquets, il est passé. Sur le coup, les rails qui sont là. Il est. Ah, tout autour, là. Oui. J'ai cherché mes élingues. Hein. Et voilà la grille et le puits dans le fond. Voilà l'intérieur. Vers le haut. Ventilateur. Un axe précis ou quoi? Voilà les pales. Qui sont incurvés vers le bas. Ah oui, c'est là-dessus, on la voit vraiment. La toiture, là, oui. Et alors, il y a une tige, enfin, une lame métallique qui n'accompagne pas jusqu'où. Une des pales. Oui. Franchement, peut-être que celle-ci, tu sais voir. Une des pales jusqu'au plafond. Incurvé, donc c'est bien le Guibal. Et les briques. Et ça tourne. Ça va? Il y a le sol là. On voit une autre échelle en travers. Oui. C'est une échelle là tout de suite. Bon, mais il faut répéter tout ce qu'il y a. Sur l'autre côté. Ah ouais. Est-ce qu'il faut envoyer le chevron? Attends. C'est de la brique que tu as raté. Alors, j'ai un tas de gravats où tu marches. Voilà, on va descendre dans le puits d'aérage. Avec Pierre. Nos visiteurs qui vont descendre à l'échelle. De Spéléo. Voilà, alors nous allons fumer le puits, puis de retour d'air, d'une profondeur de 650 mètres. Voilà la voûte, et on reconnaît ici le bidonnage, la grille de sécurité. Voilà le bidonnage, les conduites d'air et d'eau. Et la descente dans le puits. On entend l'eau couler. Alors derrière moi, une galerie de sortie d'air, du moins je présume que c'est lorsque les ventilateurs